Les harceleurs, c'est pas des gens forcément toujours très méchants. C'est des gens qui ne comprennent pas les limites et qui n'arrivent pas à considérer les femmes comme des êtres humains qui sont leurs égales. Comment on apprend à ce type à me considérer comme son égal et donc à se dire que s'il souhaite me draguer, il peut venir vers moi me dire bonjour, mais qu'il doit absolument entendre si je lui dis non. Et donc, changer de trottoir et me laisser tranquille. Comment on arrive à ça? Bah, dès le départ, en fait. Il faut apprendre aux enfants, aux adultes, aux ados, à toutes les personnes, en fait, là, de la société, que le genre dans lequel on se reconnaît, pas forcément celui dans lequel on est, ne détermine pas notre valeur en tant qu'être humain et ne détermine pas notre droit ou notre non-droit à être respecté et à vivre dignement. Que les femmes consentent ou pas, on s'en fiche. Voilà. Si un homme dit « je veux draguer cette fille, elle me plaît, je la veux », qu'elle veuille, elle, en retour ou pas, on va en avoir rien à faire. Et d'ailleurs, son consentement, voilà, on n'en a pas vraiment besoin, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pas tellement une question de supériorité. C'est vraiment une question de est-ce que ma voix est audible quand je dis non ? Ben, apparemment pas. Mon non n'a pas de valeur. Mon avis n'a pas de valeur. Mon choix n'a pas de valeur. Ma décision n'a pas de valeur. Mon consentement n'a pas de valeur.